Salut à toutes et à toutes. On se retrouve pour le troisième épisode de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Épisode précédent, je suis arrivé ici. Et maintenant, je vais aller là. Carrément, néant de la forêt du sud. En même temps, ça rappelle un petit côté presque, j'allais dire, les Psy-Salis dans Skyward Sword. Nous sommes dans le monde du néant. Tout ce qui flotte autour de nous s'est fait engloutir par la faille. Chaque élément va se désagréger peu à peu avant de disparaître complètement. Mais ensemble, mes camarades et moi avons le pouvoir de rendre à son état d'origine à tout ce qui est ici. Je sens la présence de mes camarades un peu plus loin. Allons-y Zelda, et le syndicat triomphera. Après c'est vrai que ça fait penser un peu au monde de distorsion dans Platine et tout ça. Je vais peut-être préparer des monstres au cas où... Ah, je perds pas de cœur, ok. Ah, mais je te reconnais, toi. T'es celui qui était à la vidéo 1, là. Quand une personne se fait engloutir par une faille, elle est pétrifiée et ne peut plus bouger. Si on ne fait rien, au bout d'un moment, elle finit par disparaître. Mais ça ne t'arrivera pas à toi, Zelda. Tu es spécial. Ah oui. Ah, presque. Quoi, ça marche pas? J'ai envie de te suicider, putain. C'est vrai que je peux pas faire grand chose finalement face à ça. Ah si, je peux. Putain. Allez, viens ici. Ah, ceux-là, je peux pas les... Ouais, je suppose qu'il va falloir que je laisse la... Peut-être que je laisse la pierre. Non, même pas. Ah, en tout cas, on voit des lueurs, là. J'ai pas l'impression que je peux les attraper. Allez, protégez-moi, les gars. Allez, battez-vous pour le royaume, pour moi, pour Zelda. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes là? Yep.
Tiens, ça c'est bizarre ce truc. Je peux monter dessus? Ouais. Ah bah si, c'est de la terre. C'est vrai que comme la couleur était pas habituelle. Allez. La politique de la terre brûlée. Là, il me poursuit. Qu'est-ce que c'est là? Oh là là. Ah. Ah tiens, c'est la ministre là. J'ai vu cette personne au château. Si on arrive à refermer cette faille, elle retrouvera son état normal. Bon, y a quoi en bas du coup? Un rubis posé comme ça, ça... J'ai l'impression que c'est le like-like de rubis. Hein. Pourquoi j'ai l'impression que... Pas pourquoi. Ah si, c'était vraiment un rubis. On vaut mieux être méfiant, j'allais dire, mais là je tombe... Ah. C'est l'endroit où tu étais enfermé. Tiens, tiens, tiens. Nous nous rapprochons de mes camarades. Je sens leur présence un peu plus loin. Bon, ben déjà... Ah, les ruines du sud. Bon, il y a deux étages. Attends, si tu me guides avec le sceptre, je peux faire bouger ce que tu veux. Ok. Attends, appuyez sur X pour guider Tri, les objets et les monstres que Tri touche. Ok. Ah d'accord, ok. Ah, c'est quand même assez cheaté comme pouvoir. Hein. Oh oui, comme ça. Hop. Parce que c'est vrai que quand tu regardes ça là, bon, tu te dis que tu peux pas. Quoique. Bon, maintenant qu'on a ça, hein. Attends, est-ce que je peux faire comme ça? Ouais, faut faire comme ça quoi.
Moi, ce que je veux faire, c'est avancer le rocher comme ça. Je pense que c'est le seul moyen. Mais là, visiblement... Ah, comme ça, voilà. Un coffre enfoui. Du beurre, d'accord. Attends. Ouais. Bon, je peux rien faire avec ça, mais bon. Ah, parce que je me dis, il y a un moment, faudra bien que j'affronte des boss, alors. Parce que c'est bien joli, ces trucs et tout ça, mais au bout d'un moment... Le karma va te tomber dessus. Tiens, tiens, t'es pas mort, toi? Oh putain, je croyais que tu serais mort. Je pensais qu'il allait mourir écrasé. C'est quand même résistant, ces saletés. Bon. Ah, peut-être que comme il a une carapace assez solide... Bon, ce serait quand même bien d'avoir ce coffre. Oh, mais je vais me faire tuer là avec ces conneries. Ça, le problème, c'est qu'elle peut pas sauter haut. Là, c'est un peu chiant, ça. Moi, je me suis sorti, mais là... Voilà. Voilà. Bah, allez-toi, va ailleurs maintenant. Hey, tu m'auras bien emmerdé, toi. Voilà, donc. Du coup, ça veut dire que si je fais comme ça. Thank you.
D'accord, ok. Donc maintenant, oui, avec ça... c'est plus facile de monter. Il me faudrait un peu des cœurs là, ce serait sympa. Et que ça marche comme ça, tu fais ça. Mais ça me rappelle quelque chose, cette zone. C'était le début où j'étais, ça. En tant que Link, hein, quelque part. Bon, en même temps, c'est ce qu'elle a dit au début, hein, où tu étais enfermé. Donc, je fais comme si j'étais surpris, mais ça devrait pas me surprendre. Je pense pas qu'ils fassent grand chose. Ah voilà, lui il arrive à faire quelque chose, quelques petits dégâts. Ah, un cœur. Je peux. Ah, un Dark Nut. Ça c'est bien ça. Il est lent mais insensible au coup. Tu te dis du Dark Nut. Bon, la liste va commencer à devenir longue. Hein. Du coup, là, c'est... Bon, on voit que Zelda, c'est pas Link. Et que là, je peux pas m'y rendre de toute façon. Link, il pouvait sauter ça sans problème. Zelda, bon, elle a un peu plus de mal. Après, c'est vrai qu'on jongle pas mal dans le menu, hein. Ça sent mauvais, ça. Je sais pas pourquoi j'ai... comme s'il y avait des boss, parce qu'on voit déjà des statues de Dark Nut
Alors les deux premières sont pareilles, avec un bouclier. Peut-être que... Ah, faut faire le choix entre la pierre et le... Putain, mais j'arrive pas à viser ces saletés là. Battez-vous entre vous, allez. Allez mon serviteur. Je sais pas si lui je peux faire un... Ah non, lui c'est carrément... Ah d'accord, ils le mettent là, je viens de remarquer. Quand tu fais comme ça, tu vois le niveau... C'est vrai que j'avais pas remarqué ça. Un triangle, ça veut dire que... Parce que t'as trois invocations, donc le Dark Knight en fait ça fait... Si tu mets le Dark Knight, tu peux rien faire d'autre. Double suicide, ou double meurtre, ou double chaos. Voilà. Bon, si on me donne des cœurs, c'est que... Et je reviens dans cette zone. Ah, c'est le leak, là, on voit qu'il va être maléfique, parce que... Il y a une aura sombre qui se dégage de lui, hein? Mais c'est le garçon qui a combattu le monstre bleu, non? Oh là là! Les yeux rouges, tout ça! Ah bah... On voit que, ouais, avec son bouclier là, il fait comme enchaîner. Ouais. Regarde, je fais quoi, attends, parce que là... Ça n'a pas l'air de lui faire grand chose, mais je vais essayer des... Voilà, faut l'attaquer par derrière en fait, par des saletés comme ça là. On va voir si je peux lui balancer des... Je vais y mettre le feu, tiens, je vais tout simplement lui mettre le feu à lui. Allez, viens vers moi. Voilà. Ouh, là, il s'énerve, là. Ah, il a bugué là. Et il est violent, il est bras. On voit le héros là quand même, hein.
que je peux le, comme ça le manipuler là. En tout cas, il faut que je fasse un truc pour l'attirer quelque part, ça c'est sûr. Voilà. C'était intéressant comme combat, un combat intéressant. Et ça fait penser un peu au truc de Ganon, c'est-à-dire c'était pas le vrai quelque part. Mais là on voit une épée qui est tombée. Tiens, tiens, maintenant j'ai une épée. j'attendais ce moment, Zelda avec une épée. On a eu chaud. Il ressemblait au garçon qui t'a sauvé, mais cette fois, il t'a attaqué. Et cette aura inquiétante qu'il avait. C'est la même que la... C'était la même que les imposteurs au château. Tiens. Tiens, il a laissé quelque chose derrière lui. On va pas le prendre, on va aller là. Bon, d'ailleurs, tu peux rien faire si tu la prends pas, donc faut la prendre. Vous avez obtenu une épée mystérieuse. Le nom Link est gravé dessus. Je ressens une grande puissance se dégager de cette arme. Une puissance capable de rivaliser avec celle des grandes failles. Ce n'est pas un pouvoir ordinaire. Tiens, Zelda obtient une épée. Zelda versus Link. Tiens, tiens, c'est Zelda, mais avec la tenue verte et un bouclier. Du coup, tu peux switcher entre les deux formes, du coup. Je pense que ça va être ça, du coup. Oh, tu ressembles à ce garçon en vert. Tu as l'air très forte. Ok. Voilà, pour sauter haut, tout ça. Voilà, maintenant tu peux vraiment... Ouais, tu peux alterner entre les deux formes, voilà. Ah... Attends, lorsque vous êtes dans le... Ok, la jauge d'énergie en haut à gauche se vide. Ah, ok. Ah, ok, donc c'est pas... Ok. Donc, en fait, je me vide, quoi. C'est-à-dire, faut pas que je fasse tout le temps, quoi. Faut vraiment utiliser avec parcimonie le pouvoir qu'on a, quoi. Donc là, de toute manière... Ok. Où je peux me cacher dedans? Allez. Ok. Bon. Ah ouais, j'ai ça. L'épingle au cœur. Ah. Ok. D'accord, ok. Donc je vais en avoir plusieurs, mais je peux en activer qu'un à la fois, je pense. À voir dans le futur ce qui se passe. Ouais.
Ah, un boss. Allez. Ah, ça vient à moi tout de suite. Enfin, ça vient à moi tout seul, tout de suite aussi. Hein, c'est pareil. Assez rapidement, ça va. Allez, bats-toi pour moi. Bon, il y a des trucs où je serai obligé de me mettre en épéiste. Ok, bah ça c'est bien. Ah, il y en a eu en haut, saleté. Là, je peux sauter plus haut. Tiens, ça... Ça crève vite, là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut alterner entre les deux, parce qu'on peut pas rester... Et en plus, il y a écrit niveau 1, c'est-à-dire qu'on augmente. Mais comment j'augmente les niveaux? Ça, je le sais pas encore. Donc, je vais... J'ai les monstres pour me protéger en temps normal. Donc du coup... Ah si, attends, je peux peut-être faire comme ça. Voilà. Ouais. Attends, je vais revenir, mais je pensais que je l'avais mis sur le machin. En même temps, si je l'ai mis, si je l'avais mis... Je pense que ça aurait quand même désactivé un truc. Donc on va voir. Voilà, comme ça plutôt. Ah, 50 rubis. Oh, je commence à être riche, l'air de rien. Ok, ok, qu'est-ce que je fais là? Ah ben, comme ça. Là, j'admets que... Il faut... Qu'est-ce qu'elle va attaquer là? D'accord, fallait la tuer en fait. Fallait lui arracher la tête. Ah, une petite clé. Je pense pas que la grande porte, ça soit avec ça que je l'ouvre. Mais je vais quand même essayer, parce que des fois, on croit que des choses... On croit des choses et c'est pas ça. Mais ça m'étonnerait que ça soit ça, mais pourquoi pas. Voilà. Au moins, ça règle le souci. Ah ben, c'est celle-là, du coup. Ça, donc, je pense que c'est ça la quatrième statue. Hein. Une certaine symétrie, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait. Donc, Ah donc ça arrive vers moi, ok. D'accord. Là, au fait Zelda. Il y a autre chose que tu peux faire quand on est synchronisé avec X. Après avoir appuyé sur X,
Essaie de maintenir R enfoncé. Tant que tu maintiens R, tes mouvements suivront ceux de l'objet auquel tu es synchronisé. D'accord, c'est-à-dire que je peux flotter, quoi. C'est ça qui me dit, quoi. Parce que là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que je peux pas... Voilà, je peux pas... si... Là, je pourrais rien faire. Mais il faut que j'attende que le machin vienne. Voilà. Attends, faut que j'arrive à mieux faire, mais je crois que c'est ça. Voilà, comme ça. Bon, en fait, faut que j'arrive à... Bon. Par contre, faut que je le fasse quand il est au-dessus de moi. Prêtresse Zelda, là, c'est plus... Et donc, on va faire la même chose en haut, je suppose. Là, le truc, c'est que... Ouais, faut que je fasse ça quand il est là. Ah. Non, mais c'est quand même vachement bien, ce pouvoir. Hein. Tri, il sert à quelque chose, tu vois. Bon, souvent, on prend Navi pour dire qu'elle sert à rien et tout ça. Mais lui, il sert à quelque chose. Lui ou elle. Bon, je vais supposer que c'est lui, mais... rubis, d'accord. Ça fait plaisir, ok. Ah, la clé du boss. Donc là, le truc, c'est que... Ah, du coup, si je saute... Ok, donc à mon avis... Faut... Ah, mais est-ce que je peux le faire comme ça, avec ça? Ah, je peux pas le faire, ok, avec ça. Ah oui. Attends, donc... Ah, mais toi, on s'en fout. Attends. Bah si, je vais faire un truc où je vais m'élever. Hein. Putain. Là, je le fais en diagonale comme ça. Attends, attends. Thank you.
En fait, je me rends compte que j'ai passé beaucoup de temps pour un truc qui est quand même simple à la base, j'ai l'impression. Pour ça, avec des fois, je me complique un peu trop la tête. Et puis voilà. Bon, ça c'est la clé du boss. Ça a l'air d'être évident, la grande clé. Bon, la grande clé, mais là la question c'est j'ai pas beaucoup d'énergie là pour utiliser l'épée. Tiens, il n'y a personne. Pourtant je sens bien la présence de mes camarades. Ils ont été mangés. Oh, oh. Non, ça, on dirait le boss du dernier de Oracle of Age. Zelda. Mes camarades sont à l'intérieur de cette créature. Il faut absolument les sauver, je t'en prie, aide-moi. Alors, je veux bien t'aider, mais... Ah voilà. Voilà. Allez, vas-y. Tape son truc. Ah oui, là il est en haut, je vais pas pouvoir le taper. J'ai l'impression que son noyau change de place. Ah, lui il le touchera jamais comme ça. Faut que je prenne peut-être quelqu'un qui a des flèches. Bourriner comme ça. Ouh là, il s'énerve là. Il s'énerve. Ouais, mais là, le truc, c'est que j'ai personne qui va pouvoir. Ou alors, peut-être si, il faut que je. Bon, je... Ah oui, ok, c'est quand il va. Comme ça. Ah voilà, c'est fini. Bon, là on a libéré beaucoup de substances qui ont l'air de ressembler
Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié là son nom. Atri, voilà. Oh, le combat il était intéressant. Bon, c'est simple pour un premier, mais quand même. Peut-être qu'il y en a certains qui vont galérer. Parce qu'il faut quand même regarder, voilà, le point et tout ça. Parce que quand il est haut, le Dark Knight, il peut pas le toucher. Maintenant qu'ils ont été libérés, ils débordent de puissance. On va pouvoir refermer la faille. Grâce à notre pouvoir des échos, nous allons restaurer la partie du monde qui avait été engloutie par la faille. Regarde. Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Maintenant, qu'est-ce que tu... Ah, donc j'ai un niveau supplémentaire maintenant? Donc du coup, je peux faire un truc supplémentaire. Ah, j'en ai 4, donc je peux faire... Ah oui. Je peux faire plus de choses qu'avant. Le nombre de tri a augmenté. Donc oui, maintenant j'ai 4, donc... Ah, mes compagnons m'ont parlé pendant qu'on refermait la faille. Ils m'ont dit que le gros monstre de roche était apparu tout à coup et qu'il les avait tous capturés. Ils se sont retrouvés enfermés à l'intérieur de lui, incapables de refermer la faille. Ah, avant que j'oublie. Tiens, c'est quelque chose qui apparaît quand on referme les failles. Comme c'est joli, je t'en fais cadeau. Ah tiens, c'est quoi ça? 5 pierres étranges. Ah ok, ça me permet de monter de niveau aussi sur ça du coup. Ouais, laisse-moi récupérer le quart de cœur, enfin le réceptacle plutôt. Bah voilà. Donc la barre a augmenté, je sais pas vraiment. Si je sors par là, je peux pas sortir par là, sinon il m'aurait dit... Mais il faut aller là-bas. Là, il me dit, mais arrête de faire le con. Voilà. Ensemble, nous pouvons voyager entre ton monde et le monde du néant. Bah vas-y, hein, j'y retourne. Hein. Ah, excusez-moi, auriez-vous un moment à m'accorder? Ah, c'est la ministre, là. Ah, je suis Sénès, ministre du royaume d'Hyrule. Auriez-vous l'amabilité de me dire où nous sommes? Oh, princesse, votre Altesse! Je ne vous avais pas reconnue. Pourquoi portez-vous une telle tenue de délinquante? Non seulement nous n'avons pas su vous venir en aide, mais en plus, vous voilà contrainte à l'exil. Contrainte à l'exil. Oh, vous ne manquez pas de ressources. En tout cas, je ne savais pas que vous possédiez de tels pouvoirs. Moi aussi, je n'étais pas au courant. À un moment donné, je me suis même dit, tu sais, quand le tri a dit sauver ton père, je me suis dit, mais c'est... Attends, Link, il a un père maintenant. Et oui, après, je me suis rappelé qu'on jouait Zelda, tu vois. Donc, c'est faux quand même. Et 20, comme j'ai dit, plus de 25 ans et tout ça, jouer à Zelda... faut se dire que voilà, c'est difficile hein, de se dire qu'on joue Zelda quelque part. Parce que bon, certains
Moi, je compte pas le jeu de Cydia et Zelda Aventure. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, je le compte pas. J'ai jamais joué. Donc, il compte pas, quelque part. Quoi qu'il en soit, je me dois d'exprimer toute ma gratitude au Seigneur Tri pour vous avoir accompagné jusqu'à présent. Yeah. Ah d'accord, elle peut voir elle aussi. Ouais, c'est que les jeunes qui peuvent voir. Il faut des lunettes spéciales comme les tiennes là, sinon. Ah d'accord. Bon mais du coup je vais m'arrêter là. Hein. Épisode intéressant, premier donjon on peut dire. Même si c'est un donjon de début, il était quand même assez intéressant. Hein. Et puis voilà. Donc à la suite on ira voir le frère d'Impa et on essaiera de sauver notre père du jeu. Et également le général Dex. Donc je termine la vidéo ici, comme d'habitude, le laïus habituel. Si vous avez aimé, pensez à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir, bla bla bla. Du coup, moi je vous dis à plus pour un prochain épisode de Zelda Echo of Wisdom. Allez, salut et portez-vous bien.